Bonjour à tous, ici Tom13. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler d'une nouvelle application qui est sortie sur l'App Store qui s'appelle Mosaic. Donc Mosaic elle va permettre de, avec plusieurs appareils dotés de la pomme, de pouvoir agrandir une image. Donc par exemple si vous mettez 3 iPhones autour d'un iPad, vous pouvez transmettre la même image autour de l'iPad. Donc je vais vous montrer l'exemple tout de suite. Donc on ouvre l'application, on atterrit directement sur une page noire. Il suffit juste de cliquer pour pouvoir faire apparaître nos photos ou Dropbox, comme vous voulez. Donc ensuite, on va dans nos photos, on choisit la photo qu'on veut montrer. Donc souvent, c'est quand on veut montrer des grandes photos, etc. Donc on attend le petit chargement. Là, la vidéo est uploadée sur l'iPad. Donc ensuite, on attend. Et ensuite, on a la fiche de l'image qui se download tout doucement. Donc ça dépend aussi de la connexion internet. Donc voilà, on se retrouve avec notre image. Nous avons juste à cliquer, à glisser le doigt sur l'iPad et le prolonger sur l'iPhone. Là, l'iPhone prend les mesures et regardez, si je le fais ailleurs, automatiquement, grâce à l'application, donc là on peut voir que même de bas en haut, là j'ai loupé. Donc de bas en haut, ça va marcher, regardez, hop, et voilà. Donc l'image s'adapte parfaitement avec plusieurs appareils aussi. Donc on peut aller jusqu'à 4, 5 appareils autour du même iPad ou du même iPhone, etc. Donc moi je trouve cette application assez intéressante car c'est des petits chercheurs qui ont créé cette application. En plus elle est gratuite. Et moi je me dis que grâce à ces applications peut-être on pourra inventer la même mais pour des vidéos. Donc ça veut dire que si vous avez plusieurs appareils dotés de la pomme, donc vous pourrez regarder un gros film sur plusieurs écrans pour créer vraiment l'écran de votre taille choisie. Donc je trouve ça pas mal intéressant et puis pour une application gratuite, moi je lui donne une bonne note. Donc je dirais même 4 étoiles sur 5. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut !